Salut les amis, c'est NewManOfView. Alors, je filme avec un putain de caméscope. Donc, ça se complique un petit peu. Enfin, ça va, la caméscope, donc ça va. C'est juste que ça fait un peu bleu dans la zone. Voilà. Chers amis, aujourd'hui, on se retrouve pour ça. Il s'agit. Il y a trop de lumière. Une Nerf Elite Strong Arm, vous voyez toujours rien, c'est normal. Que j'ai depuis longtemps, en fait c'est le premier nerf que j'ai eu de toute ma vie. Et je pense que ça serait la base de toute la chaîne nerf. Même si maintenant il y a eu Disruptor, c'est-à-dire la réplique identique du Strong Arm, sauf qu'il là il manque un bout, là, il est mort des crochets. Et mais le barillet il sort pas, oui celui-là il sort, voilà. Pourquoi? Non. Ça va devenir la base de la chaîne nerf, mais sinon pour moi c'est ça. Voilà, c'est le Strong Arm que j'ai depuis longtemps, du coup j'ai pas la boîte. Et vu que je fais n'importe quoi des fléchettes, et que j'ai mis des piles neuves dans mon caméscope, et que là il m'indique déjà qu'il n'y a plus de piles, ça me saoule. Voilà, ça n'a rien à voir. Cette vidéo va peut-être être très courte, voilà, on verra ça. Si vous savez déjà, je pense qu'on va regarder ces vidéos, combien elles durent. Bon, des fléchettes prises au hasard dans mon bac. Je suis tombé sur des manches en plus. Voilà, ce qu'on regarde, on fait le petit tout de l'appareil, voilà. J'ai envie d'attacher la caméra dessus. Oui, je l'ai gardé à côté de moi. J'ai déjà pas l'arrangé. Mais j'ai oublié de le faire. Attends, mais je voulais juste voir vite fait ce que ça faisait comme style. C'est très laid, c'est scandaleux, mais c'est pineux. Alors, peux-tu bien t'enlever, SVP? Je l'ai pas coincé quand même, c'est pas. Non, c'est impossible, hein, il peut pas être coincé. C'est impossible. C'est ce que dirait le Skywalker. Non. Ce n'est pas vrai. C'est impossible. Eh ben si. Voilà, donc le Strong Arm, voilà. Eh ben c'est bien. Il est prévu pour une putain de portée de 27 mètres. Waouh. Comme si on allait y croire, putain. Alors. C'est totalement fou, bien sûr. Ou presque, hein, j'en sais rien. Après, il y a des questions de législation en France, hein, on va savoir. En tout cas, je connais une, c'est bien sûr celle des mégas. Ils ont des tentes grises. C'est ce qui baisse leur performance. Mais moi qui n'ai jamais eu dans la main un nerf méga, je ne sais pas ce que ça fait d'avoir une détente grise au final. C'est juste que ça a diminué les performances, soi-disant. Bon. Comment on charge? Alors, je viens de sortir le barillet, j'ai appuyé là-dessus, il y a toujours autant de lumière, voilà, je me lance un peu dans le noir. Ah, je vois que vous voyez beaucoup mieux ce truc-là, voilà. Il est magnifique, hein, et l'orange est devenu foncé à cause de trucs. Pourquoi moi il est clair? Alors vous appuyez sur, si je regarde l'écran, sur ce magnifique bouton-là. Ah, il a pris le sable, donc, normalement c'est très facile, là vous avez le barillet qui sort, vous mettez les fléchettes, fléchettes. Il y en a 6 qui sont incluses bien évidemment, à quoi ça sert. Et on va déglinguer le viseur bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Dommage que c'est pas pareil tactile sans le caméscope. Ce sera fait plaisir à mettre ma main devant, à l'attacher au nerf. Oh ça va être marrant. Alors. Il est beau le viseur, hein. Bah c'est simple. Pour charger, il faut tirer là-dessus. Comment je vais faire? Parce que là, je tiens le caméscope. Bon bah. Oh, on va faire très simple. Tiens, bim. Ta gueule. Magie, c'est Noël. Bon, on charge. On tire pour casser la gueule du viseur. Bon, ça me saoule hein, de prendre la caméra à chaque fois, de tourner l'écran là pour qu'il puisse voir ce que je fous. Et voilà, et on tire en plein dans le mille. En plein dans le mille. Dans le neuf, vous voyez donc. Bon, après, à part ça, le Strong Arm est précis. Voilà, on a déglingué le viseur. Est-ce qu'il a le slam? Bien sûr qu'il a le slam. Mais oui, mais oui, mais oui. Il a le slam. Pour vous prouver, je vais déjà commencer par détacher ce truc.
Ouais, t'es ok. Ah, d'accord. Voilà. Je vais attacher le caméscope sur le Stromgarn. Du moins, je vais essayer, hein. Alors. Comment on met ce truc? Je le sais comment on met, mais je veux dire sur le Stromgarn, quoi. Sans l'abîmer. Parce que si ça abîme le Stromgarn, bleu. Le Stromgarn, c'est une de mes armes préférées. Alors, attends. Même pas en rêve, je le tuerais. Je peux pas comme un héros. Un héros héroïque, voilà. Ah oui. Ah oui. Ah oui, ah oui. Il est attaché au strong arm, ça y est, mais. Mais ma yes. Je vais encore être obligé de prendre. Il a tellement de temps parce que si je le laisse, vous voyez, il prend en strong arm. Je vais charger. Non, vous chargez quand même, vous savez comment c'est. Désolé, les gars, parce que moi je prépare jamais mes vidéos. Donc, je les prépare que moitié. Je trouve l'idée pendant la vidéo, donc ça complique un peu la chose. Mais on s'en fout. Non. Non. Non, parce que. Dis-moi si tu trouvais ça chiant d'attendre. Perso, je pense que c'est chiant pour vous. Attends, qu'est-ce qu'il a le slam? Je viens de tirer comme une merde. D'ailleurs, le slam, c'est quoi? Tu restes appuyé sur la détente. Et tu charges tout le temps, comme un débile. Voilà. D'ailleurs, on n'a pas de lumière. Oh, c'est chiant. Come on, it's me. It's me, Mario. Bon, ça range pas grand-chose. Putain, alors. Il a le slam, voilà, je l'ai trouvé. Et alors? Le Strongarm. Il y en a qui disent le Strongarm. Eh ben non. Il n'y a pas de S à la fin de Strongarm. Alors arrêtez avec vos conneries. Voilà. Sans lui, il n'y a pas de vidéo comme ça. De rien. Alors, sort le barillet. Oh, c'est magnifique. Hein, parce que vous voyez rien, c'est moins magnifique. Voilà, c'est là, c'est plus magnifique quand même. Oh, tu mets les fléchettes, 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 fléchettes. Tu rentres le machin. On charge et on tire pour le slam. Tu restes appuyé là et tu fais ça. Le truc tourne tout seul. Il y a deux fléchettes à côté de moi, on va s'amuser, je vais tirer sur le caméscope. Alors si vous me voyez plus, c'est forcément que la caméra est tombée. Ah! J'ai tiré sur le caméscope, il a survécu, il a failli tomber. Bon bah, petit caméscope, plus jamais je touche à ton écran. Bim, j'ai touché ton écran, je suis con. Voilà. Vous voyez, ceci est un flingue. Mais pour, si vous voulez lui donner un côté science-fiction, mais vraiment nickel, j'ai une idée. J'ai dans ma boîte des accessoires, une boîte où il y a tous mes accessoires dedans, comme son nom l'indique. Je vais dire bizarre quand je cherche. Un viseur, celui du Star Wars Stormtrooper de luxe, de l'air du génie, bien sûr. Qu'on met dans le sens là, hein, ce truc orange, le petit viseur doit être devant, hein. Et arrêtez de le mettre comme ça. Nya, ça marche pas. En plus, ça se voit le sens du crochet. Et là, on a un côté un peu plus un petit peu plus science-fiction quand même. Je suis pas fan à 100% hein, des science-fiction, hein. J'aime pas vraiment beaucoup ça. Donc c'est juste pour vous dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment la science-fiction, voilà. C'est le modi, voilà. C'est magnifique. Je
crois que même que je vais lécher dessus. Lécher dessus. Et en plus, je vis super bien. Je vais vous tuer et vous défoncer. Là, je vise mon écran. Là où les viseurs sont mon écran. Oh, c'est bien. Bon, c'est ce qui conclut notre putain de vidéo. Voilà, c'était une vidéo assez courte, hein, 10 minutes. Parce que d'habitude, c'est une vingtaine de minutes hein, pour un neuf. Là, c'est la moitié. Bref, parce qu'il n'y avait pas des masses de choses à dire là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Si c'est pas le cas, on s'en fout. Et si c'est le cas, abonne-toi, laisse un like ou fais ce que tu veux. Moi je te dis à la prochaine. Et coupi ta 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 ta. Ne tombe pas, petite caméra.